Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un petit tutoriel. Alors aujourd'hui, petit tuto pour recadrer, pas recadrer, mais on va dire étirer une vidéo 4 tiers en 16 neuvième. Voilà, donc j'en connais un qui va se reconnaître dans ce tuto, mais je précise qu'il est fait pour tout le monde, bien évidemment. Donc premièrement, pour faire cela, il suffit donc d'ouvrir votre fichier vidéo que vous voulez étirer donc pour le 16.9, parce qu'en fait je fais ce petit tuto pour que l'on puisse mettre donc une vidéo sur YouTube en plein écran. Voilà, c'est tout. Moi je trouve que c'est un tout petit peu plus agréable quand même, mais voilà, c'est pas obligatoire, c'est vraiment juste pour vous faire voir. Si le résultat vous plaît pas, ben c'est pas grave, hein. Vous laissez en 4 tiers. Voilà, donc on ouvre un fichier vidéo, donc la vidéo sur laquelle on veut travailler. Donc moi en l'occurrence, on va pas changer, hein. Toujours donc une mission de The Getaway, voilà, en l'occurrence la mission 1, que l'on pourrait retrouver dans mes vidéos en entier. Donc de là, après, un coup qu'on a ouvert notre vidéo, il faut vérifier pas mal de petites choses pour que ça fonctionne. Donc premièrement, audio. Il faut que vous regardiez si le petit point est en face de copie de flux direct, ou en anglais, hein, si vous avez la version anglaise ou américaine de Virtual Dub, donc Direct Stream Copy. Voilà, donc ça c'est la première chose à regarder. Ensuite, dans vidéo, il faut regarder si c'est en traitement complet ou en Full Processing Mode, hein, selon les versions que vous avez, hein, toujours pareil. Donc si ça déjà c'est bon, on peut passer à l'étape suivante. Donc étape suivante, on reste dans le même onglet et on fait filtre. Voilà. On fait ajouter un filtre et on prend le filtre resize. Voilà, redimensionnement. On fait OK. De là, ensuite, on va pointer notre curseur sur découper pan scan au rapport LH. Ou alors en anglais, si vous avez la version anglais. Donc c'est crop to aspect ratio, voilà en anglais. Donc vous faites, de toute façon c'est l'avant-dernier à cocher, hein. Donc vous faites toc, voilà, vous mettez votre souris, vous faites découper. De là on voit que les zones là se sont mises à brillant blanc, donc c'est à dire qu'on peut les bouger. Donc de là vous faites 16 d'un côté, 9, parce qu'évidemment c'est le ratio pour que ça soit donc en rectangle, hein, en 16/9. Ensuite, on va en haut, on regarde au rapport LH ici en français, mais en anglais ça sera aspect ratio, et vous faites disabled ou désactiver. Hop, voilà, on fait désactiver. Et de là, ensuite, on peut faire une prévisualisation donc de votre projet. Donc on fait prévisu, et de là on voit que votre projet, regardez, est en 16/9. Voilà, et en plus il a l'air d'avoir gardé les bonnes proportions. Enfin on va dire que c'est pas trop aplati. Là on voit que la voiture elle est pas aplatie. Donc voilà, donc de là on sort de la prévisu, on fait OK, toc, et on refait OK. Voilà, là on peut voir que dans la fenêtre, donc là c'est avant, là c'est après. Donc là on peut faire une petite on peut faire play, voilà. Et donc on voit les deux images. Alors on peut voir quand même que ici, voilà, ici on peut voir que c'est un peu bouffé, hein. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est un peu bouffé. Ouais, il en manque, hein, il manque un peu d'image. Mais bon, après c'est à vous de voir, hein, si vous voulez que ça reste en 16.9 ou pas. Voilà. Mais après vous pouvez modifier ça, je pense, dans le filtre, hein. En tout cas, moi je vous ai donné donc les bases pour que vous puissiez faire donc une vidéo 16.9 d'une source 4 tiers sans en perdre les proportions. Parce qu'évidemment, si le logiciel avait gardé donc toute la vidéo, on va dire, hein, tous les côtés, le ciel et compagnie, évidemment, le reste aurait été aplati. Voilà, vu que d'un 4 tiers, on passe d'un carré à un rectangle, ça aplatit tout, hein. On connaît ce phénomène. Donc là, le logiciel, il s'est dit non, je vais en enlever une partie de la vidéo pour pouvoir pour pouvoir faire, comment dire,
faire quelque chose de propre et non d'écrasé. Voilà. Voilà, donc de là on peut faire stop, on va arrêter la vidéo. Et puis ensuite, c'est toujours pareil. On choisit donc la compression de la vidéo. Donc là on va prendre toujours XVide. Hein. Voilà. Ensuite, fichier, enregistrer en avis. Voilà. Donc là, je vous mets la fenêtre entière. Et de là, ensuite, on choisit notre dossier. On fait enregistrer. Alors, évidemment, moi, je vais faire 2. Hop. Voilà. Et donc là, c'est parti. Notre vidéo est en train de se changer de 4 tiers à 16:9. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Je sais pas si on va regarder le rendu final. Bon, je sais pas, c'est pas grave. Peut-être que dans le montage, je vous mettrai le rendu final de la vidéo, le avant et le après. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel ou riel, je sais même pas si c'est français d'ailleurs ce mot, hein, ce tuto. Enfin, tuto, comme ça au moins on est d'accord. Vous aura plu, et puis sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien. Bye bye.